Ah, directly. Yeah. Wow. Yeah, it's very far, but not that far, because. Oh, c'est ça reste c'est pas gras, c'est it's protect like you. Yeah. And when they do, Himba people, they don't ever bath. No water. No water. No water. Water, they are just using water to cook. Yes. For food and to drink. Yes. That's all. And for their body and their clothes, they don't use water. Yes. Yeah. It's a good protection for sunlight, sun, yeah. For mosquito. Sunlight. Yeah. And then it's Papa? Yeah. It smells good. Yes, it smells good. It yeah. Yes. A good smell. Yeah. De quoi? En fait, je vais le faire à des pas. Ah bah vas-y. Tout le temps, c'est day. Morning times and evening times. Non, ils comprennent pas. Attends, je vais peut-être vous. And what they do, that ochre, they also apply it on your hair. Ah yes. Yeah, this is your own hair from here until here. Okay. Oh, long time ago, they were using cow tail. Yes. In the neck. En fait, tu vois, c'est du sort de. Ah, il m'a dit, mais comment on voit, lui? Moi, je dis, comme il y en a. T'écoutes? Et après, ils mettent comme des petites herbes qui se font du parfum. Et là, the wet powder is like the stone. Yeah, yes. That is for the stone, ok. Yeah. Yeah. Après, ils mélangent avec la pierre rouge, tu vois, et après, regarde. Ah, ok. And, yeah, for the necklaces to get smooth. Yes. Yeah. Because. Without it hurting, it's very hot and comme ça elles sont longues et puis ça doit permettre de mieux respirer, je crois. Ah y'a pour moi tu vas dire ça n'est pas du tout. Juste au niveau des colliers. Bah tu vois on en met partout. C'est des produits cosmétiques en fait pour garder une belle peau. Ça fait 3 jours qu'on y pense. on y est arrivé dans la civilisation, dans un écologe, un camping éco-conçu. On voulait vous montrer un petit peu l'équipement du 4x4. Alors bien sûr, on a notre réfrigérateur qui là actuellement est branché sur courant, mais qui fonctionne avec pile. Là, il est à 5 degrés et il est assez hermétique. Et on arrive à quand même mettre
la valeur de 40 litres de nourriture. Donc au frais, le frais est assuré. Et le relais avec la petite Jade qui va. Alors, ici c'est notre garde-manger. Ici c'est on range l'eau. Là c'est la valise à papa. Et là c'est notre deuxième pneu de secours parce qu'on en a un autre ici. Et voilà. Alors on a bien sûr notre table pliante qui se range sous le plafond de la voiture. Trois chaises. Ici on a six caisses en tout. Qui comporte l'ensemble de nos équipements. D'ailleurs, c'est pas trop mal équipé. Et il y a une petite astuce que Jade a rajoutée parce que. Franchement, les caisses, ils sont pareils. Du coup, on a une petite astuce. On met des autocollants comme ça. Et là, par exemple, la pieuvre, on reconnaît, c'est pour les couverts. Les verres et les fourchettes et les couteaux. Et on a une étiquette par caisse pour se reconnaître. Voilà, on a aussi deux bouteilles de gaz avec le brûleur qui s'adapte dessus. Et on va vous faire un petit tour de visite de notre camp. Donc ça, c'est un emplacement avec l'évier, voilà. Ici, vous avez un lavabo avec le miroir pour le petit brin de toilette. Et après, ici, un écolo, bien sûr. Avec des... Il y a les toilettes. En plein air. On se croirait dans une case un petit voilà. peu. Alors avec le toit en bidon recyclé. Hein. Et en écolo aussi, voici la douche. Avec eau chaude. Ouais. Alors l'eau chaude ici, pour la chauffer, on a trouvé ça plusieurs fois. Donc ils appellent ça un donkey, comme un âne. En fait, c'est un système simplement de... Ils font du feu, quoi, et ça chauffe le bidon d'eau qui est là-bas, et c'est relié au tuyau d'eau chaude, et donc c'est ça qui alimente l'eau chaude des douches. On a vu ça de nombreuses reprises sur les campings.